Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Nous allons ce matin commencer un thème, donc le thème général. Notre thème, ce sera les bienfaits de la croix de Jésus-Christ. Et nous voulons vous parler, comme sous-thème ce matin, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons parler de ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Quelle est la nouvelle qu'il est venu apporter et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pour ce faire, nous allons lire un passage biblique. Luc, chapitre 4, dans la Bible, donc. Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Je lis donc. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà donc ce passage biblique qui nous montre, c'était une parole prophétique, le Seigneur Jésus-Christ parle en fait de sa mission sur terre. Là, il est en train de parler de sa mission. Il lit ça dans le livre d'Ésaïe, mais en fait, il parle de lui-même. Et en lisant ce passage, il venait de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il venait de recevoir le Saint-Esprit après son baptême. Il arrive à Nazareth, dans la ville où il a été élevé. Il se met à lire ce passage. C'était prophétique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce qui va nous concerner ici, c'est le verset, verset 18, il est dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Jésus dit qu'il est venu sur terre pour annoncer une bonne nouvelle. Et c'est pour notre joie. Parce que la Bible dit qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur. Et justement, il est venu pour réjouir nos cœurs. Il est venu pour rendre la joie à l'humanité. L'humanité qui a perdu cette joie de vivre. Jésus dit, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, après cette lecture, toutes ces paroles vont s'accomplir. Parce que ce qu'il est venu annoncer, en fait, il va l'accomplir plus tard. Jean 3, 16 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la bonne nouvelle, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous. La bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour l'humanité entière. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui vient sur terre pour prendre la place de l'humanité, pour accomplir ce que l'humanité par elle-même était incapable d'accomplir. Être libéré de la malédiction du péché, être libéré du joug de Satan, être libéré de l'esclavage de Satan. Et ça, l'humanité ne pouvait pas l'accomplir. Le Seigneur a établi au cours de l'histoire d'Israël des juges, des prophètes, mais aucun d'entre eux n'était capable de faire un acte qui pouvait sauver toute l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est venu le faire. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est de loin l'œuvre la plus grande jamais accomplie sur cette terre. Après sa résurrection, après sa mort, quand il est mort, Jésus a dit, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, verset 13, il s'est écrié, tout est accompli. Lorsqu'il est passé à la croix, il a dit, voilà, ce que j'avais dit, la bonne nouvelle, s'accomplit maintenant. Quand on dit, je meurs pour vous, je vais ressusciter, et tous ceux qui vont croire en moi recevront la délivrance totale de toute leur peine. Ils n'auront plus de condamnation et tout cela. Tout est accompli. Si nous en tenons à ce passage que nous venons de lire dans Jean chapitre 4, verset 16
à 19, quand nous déroulons ce que le Seigneur dit, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que ceux qui avaient le cœur brisé seront guéris. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, les cœurs brisés sont guéris. Pourquoi les cœurs sont brisés? C'est la suite de tant de mensonges, de tant de trahisons, les mensonges du diable qui nous font miroiter, qui nous fait miroiter le bonheur, mais en fait nous conduit à la perdition. Tous ceux qui ont suivi le diable ont vite déchanté parce que leur vie a été pourrie définitivement. Leurs cœurs ont été brisés définitivement. Mais Jésus-Christ vient pour dire le diable vous a menti. Ceux qui vont croire en moi, ceux qui vont me suivre, leurs cœurs seront guéris de tous ces mensonges et toutes ces trahisons. Tout est accompli, c'est aussi que les captifs seront libérés. La Bible dit que, ça dit, si vous livrez au péché, vous êtes devenu prisonnier du péché. Si vous livrez au diable, vous êtes captif du diable, vous êtes esclave du diable. Jésus vient pour dire, je viens vous sortir de cette captivité-là. Captif du péché, captif de l'immoralité sexuelle, captif de l'infidélité conjugale, captif de la débauche, captif de l'ivonnerie, captif de tous les engagements dans lesquels on s'est mis, on ne sait plus comment s'en sortir. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, vient nous sortir de cette captivité-là. Il est venu libérer les captifs, tous les captifs, tous ceux qui se sont livrés au diable. Jésus vient pour les libérer. Jésus vient aussi pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Qui est aveugle? C'est celui qui ne peut pas voir briller la lumière de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, 16, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit briller la lumière divine. Tous ceux qui sont assis dans les ténèbres expressément envoyées par le diable pour aveugler les gens. Parce que la Bible dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les gens de ce siècle, de ce monde, dont le prince de ce monde, le prince de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Tous les aveugles, sur le plan spirituel, ce sont les gens dont l'intelligence a été aveuglée. Ils ne peuvent pas comprendre la lumière de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu pour eux. Leur état d'esprit, leur âme est aveuglée. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il voit. Il y a certains qui sont très intelligents sur les choses de ce monde. Mais sur le plan spirituel, ils ne voient rien. Même leur propre vie démontre qu'ils ne comprennent rien, n'a rien. Ils sont aussi illustres, respectés, mais voyez les choses qu'ils font dans le noir, dans les ténèbres, en cachette, incroyable. On se dit, est-ce qu'ils sont vraiment intelligents? Parce qu'en dehors de l'intelligence humaine, il y a une intelligence supérieure. Une intelligence qui ne peut être que révélée. En fait, il faut sortir des ténèbres pour venir à la lumière, être éclairé et comprendre les choses comme il se doit. Vous ne pouvez pas vous libérer du péché si vous n'êtes pas éclairé. Vous ne pouvez pas vous libérer de la débauche si vous n'êtes pas éclairé. Si vous ne pouvez pas vous libérer d'un vice qui vous dénigre, dont vous avez même honte d'en parler en public, si vous n'êtes pas éclairé. Et Jésus-Christ est venu pour redonner la vue à tous. C'est la révélation de Dieu qui éclaire. Et dans de l'intelligence, même au simple. Il y a des personnes que vous voyez qui ne sont pas aussi instruites, mais qui ont la révélation de Dieu, qui ont la lumière de Dieu, qui ont été éclairées par Jésus, qui ont recouvert la vue par la révélation de Jésus-Christ, par la lumière du Christ, qui paraissent même plus sages et plus intelligents. Le psalmiste pouvait dire, je suis plus intelligent que mes maîtres, parce que ta parole est l'objet de ma méditation. Christ qui est la parole vient redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Tout est accompli, c'est aussi que les opprimés sont libérés. Ceux qui vivent sous l'oppression, ceux qui vivent sous la condamnation, ceux qui subissent des pressions de tous les jours. Parce que lorsque tu es esclave du diable, lorsque tu te donnes au diable, lorsque tu te livres au péché, tu vis dans une oppression terrible. Il y a des gens qui sont obligés de pécher parce qu'ils sont opprimés. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est accompli. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection à la croix, a libéré tous les opprimés. Tous les opprimés sont aujourd'hui libres. Et enfin, ensuite, par sa mort et sa résurrection à la croix, le Seigneur Jésus-Christ
apporter la grâce de Dieu. Il a dit, je suis venu pour libérer une année de grâce. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée, cette capacité d'accomplir des choses sans effort, cette capacité d'être comme subitement performant dans tous les domaines de ta vie, simplement en s'accrochant au Seigneur, en travaillant avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est accompagnée par le Saint-Esprit. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et cet Esprit leur confère des capacités inouïes, des capacités incroyables. Et la grâce de Dieu est avec eux. La grâce de Dieu s'accompagne d'une protection. Quand la grâce de Dieu arrive dans nos vies, tout notre être est transformé. L'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, ton corps est transformé. Parce que tu as la capacité, Dieu, par sa grâce, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de guérir de toute maladie. Ton âme est transformée, c'est-à-dire que tu ne connaîtras plus la dépression, tu ne connaîtras plus la peur, la crainte, la haine, les angoisses et tout ça, mais ton cœur sera réjoui, tu seras dans la paix. On appelle ça la joie du salut. Une paix, une joie indescriptible. C'est ce que Jésus avait dit. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais moi je vous donne ma paix. C'est-à-dire que c'est une paix même au milieu du trouble. Vous êtes tranquille. Votre état intérieur est calme parce que Jésus-Christ habite en vous par son esprit et lui-même régit votre cœur. L'esprit aussi est transformé. L'esprit est régénéré. Le Seigneur a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Ce n'est plus l'ancien esprit qui était esclave, mais tu reçois un nouvel esprit. Ton esprit est régénéré, transformé, changé. Ce n'est pas amélioré, mais changé. Tu deviens un être nouveau. Et ça, c'est cette grâce-là. Et c'est ça que Dieu va te donner si tu viens à Jésus. C'est ça que Dieu va te donner si tu crois en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu va te donner si tu crois que Jésus-Christ a été chargé de la mission de te sauver. C'est ça que Dieu va te donner si tu crois que Jésus-Christ à la croix est mort pour toi, ressuscité pour toi, afin que tu sois délivré. Que tu sois délivré de l'esclavage du péché, délivré du joug du malin, du joug de Satan, délivré de la vie de débauche, délivré de cette vie de destruction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Si tu viens en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné, quel que soit ce que tu as fait. C'est cela la bonne nouvelle de Dieu. Plus de condamnation pour toi. Plus de condamnation. Oh, nous savons comment le fardeau du péché est parfois dur à porter. Mais Jésus-Christ vient t'apporter une bonne nouvelle. Il te décharge du fardeau du péché. Désormais, si tu viens à Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu, réconcilié avec le Créateur. Tes péchés sont pardonnés et désormais, la vie éternelle t'est réservée. La vie éternelle, c'est cette nouvelle vie. Le royaume de Dieu dont on parle, il n'est pas de ce monde, mais nous en vivons les prémices maintenant. Le royaume de Dieu, c'est ce nouveau monde que Dieu va mettre en place où les gens vivront dans le bonheur, dans la félicité éternelle. Et c'est ce qui t'est destiné. Mais en attendant sur terre, si tu viens à Jésus-Christ, Dieu va te donner comme une avance, on appelle ça les arts de l'esprit, comme une garantie, une avance. Tu commences à vivre déjà sur terre ici un avant-goût de ce royaume. Mais on n'est pas encore dans le véritable royaume, mais tu vis sur terre un avant-goût. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, celle de Jésus-Christ. Alors je t'encourage à faire une prière, à te donner entièrement à Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ comme le sauveur de ta vie et à le considérer comme le Seigneur, le Maître de ta vie. C'est là d'où viendra ta puissance. C'est là que le Saint-Esprit viendra en toi et tu pourras agir dans ce monde sous la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez nous joindre par les canaux que nous allons utiliser pour faire circuler ce message. Vous pouvez nous écrire si vous voulez être accompagné, si vous voulez qu'on vous aide à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, à recevoir plus d'explications et à vous accompagner dans la prière. Je suis le pasteur du Fax Loco. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Merci.